C'est bienvenue sur la chaîne de Funiman. Les amis, j'ai dévalisé Élargé. Regardez-moi la taille de ce carton. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars Alors il y a quelques temps, j'ai mis une, une vidéo dans laquelle j'ai mis pas putaclic. Élargé euh, avait relancé une opération qu'ils avaient déjà effectuée il y a trois ans, je crois. C'est de sur une plage de 24 heures, de remettre à disposition euh, la possibilité de commander d'anciens jeux, des jeux qui étaient sold out. Et il y en a eu vraiment beaucoup cette fois-ci, ils n'étaient pas tous, il n'y avait pas 100% du, du catalogue élargi, mais il y en avait une bonne partie. Il fallait être sur le kiffi, puisque pendant qu'on en regardait, qu'on mettait en place, bah, il y avait des choses qui s'écoulaient. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y, a eu un, il y a eu, on va dire, euh, une réaction en chaîne qui s'opérait. C'est le poteau Michael qui m'a tenu informé de cette opération. J'avais un peu zappé, je n'avais pas fait attention au mail. Je ne sais même pas si j'ai vraiment reçu le mail ou il était en spam. Et en fait, on a réussi à faire d'une pierre deux coups. c'est-à-dire qu'on a commencé à mettre chacun dans notre panier. Puis à un moment, j'ai dit Hé hey, Michael, au fait, ils ont paumé mon colis Castlevania. Le Castlevania Game Boy Advance. Le Big, le big Collector. Ils l'ont paumé. Enfin, ils l'ont envoyé et il n'est jamais parti du point de départ. Du coup, je les avais contactés au bout de 21 jours, je crois. Et ils m'ont dit bah, écoutez, il y a deux possibilités. Soit on vous rembourse et c'est réglé, soit on vous renvoie un autre. Moi, j'ai choisi d'en renvoyer un autre. Après, ils ont bien compris qu'ils bah, étaient un peu lésés par rapport aux autres, qu'ils l'avaient déjà reçu. Moi, j'allais attendre beaucoup plus. Et du coup, en compensation, ils m'ont donné un bon d'achat, on va dire un code promo plutôt, de 25% de remise sur mon prochain achat. Je le raconte à Michael. Et puis, Michael, il me dit Mais attends, 25% sur une commande Je lui dis Oui, sur une commande. Il me Dit, vas-y, on fait une commande groupée. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a fait une commande groupée. Lui, il a pris des choses. Moi, j'ai pris des choses. Pam, on a mis moins 25%. Psh il l'a envoyé. Et puis là, en fait, ça a été envoyé chez Michael. On peut mettre qu'une adresse. On a choisi la sienne. Et lui m'a transféré mon colis. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Oui, je me suis gavé. Il y en a pour. On avait fait l'état des lieux. J'ai déboursé. Il y en a pour. Quasiment 600 euros de souvenirs, 589 je crois, ou un petit peu moins, je sais plus. Euh, c'est une somme conséquente, mais par rapport au contenu, vous allez voir. On va ramener à la fin, euh, on va faire le, le prorata au prix d'un jeu, et on va voir que, on va voir si c'est intéressant ou pas. Parallèlement à la vidéo, là, je suis en train de regarder le Tour de France. C'est une étape de montagne, les gars. Je peux pas louper Poggy là. Poggy va certainement essayer d'aller. Euh, Conforter son maillot jaune. Vous en foutez, vous êtes en train de dire wesh. Wow, 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 wow. Vas-y là, déballe. Alors je vais déballer dans l'ordre qu'il m'a mis. Michael, je sais pas dans quel ordre tu m'as mis ça. J'ai juste ouvert le carton. J'ai juste retiré. Il m'avait emballé ça du scotch de ouf. J'ai mis 10 minutes à retirer le scotch. Tant mieux. Alors, il y a le Bloodstain, le Curse of the Moon 2, dans son, cette édition intermédiaire. Je suis très content de l'avoir chopé. Je l'avais loupé à l'époque. J'étais un peu frustré. Et là, franchement, magnifique. Et là, je regarde. si C'est pas abîmé. C'est pas abîmé. Je vous montre ça en image pour que vous puissiez bien contempler. Tous les bords sont nickel. Tout est nickel. Franchement, très content. Donc ça, c'est le premier objet de ce, de ce colis élargi. On continue. On retire le papier à bulles. Finesse, la course, ça se décante là. Il reste plus grand monde dans le peloton là. On continue avec lui. J'ai pris The Take Over. Vous allez dire, mais Fouini... Pardon, excusez-moi. Il y a un peu de poussière. Vous allez dire, mais Fouini, mais tu l'as déjà. Takeover. En plus, là, il est lourd. Ça doit être une édition intermédiaire où ils ont mis plein de choses à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Une grosse notice. Euh, ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau, alors il va passer par cette vidéo, c'est sûr. C'est un cadeau pour Papa Naoufel. Je, je, ça me tient à cœur qu'il teste ce beat'em up que j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Donc euh, Naoufel, quand tu viendras à la maison, ton cadeau t'attend. Il t'attend. Franchement, euh, bien lourd, à mon avis, l'intérieur, il est bien garni. On continue. Hop. Ah, du shoot avec Espaluga du shoot, très content de l'avoir chopé celui-ci aussi. Regardez-moi cette cover, elle est sublime. Voilà, là on verra bien, sans les reflets. Regardez-moi le verso. Très content, de... c'est le numéro 2, très content de le rentrer, cette version switch, que j'avais aussi loupé. On continue, lui, je suis très content de le rentrer aussi. Le Axiom Verge, Axiom Verge 2, le combo des deux. Euh... Pareil, j'avais loupé, loupé le coche, donc très content de rentrer ce 2-hit combo. J'ai hâte de, le, de me les faire. Euh, on m'en a dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. J'avais loupé le coche, je ne voulais pas mettre une fortune. Et bien, bah, franchement, mission accomplie. Les gars, au moment que je parle, il y a une attaque de Pogachar là. Ah, il est parti, Pogachar là. Ouh, il a fait mal derrière. Pas grand monde qui réagisse là. On va voir ça, on va, on va suivre ça. Ensuite j'ai pris le double dragon néon. Voilà, double dragon néon. Euh, je me suis dit allez pourquoi pas. La cover m'a tenté, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc ça va être un peu la découverte. Je le ferai peut-être en vidéo. On continue les amis avec... Alors, lui, en fait, c'est le seul cresta. C'est un schmup. Et c'est un pote qui me l'a conseillé, mais je lui je, je fais confiance. Je lui fais confiance après un shmup sur Switch. Ça fait toujours plaisir. Regardez-moi un peu le, le verso. Franchement, top. Dramatique édition. Je ne sais pas ce qu'elle a cette dramatique édition en plus. C'est ce que je suis en train de regarder. Il ne l'indique pas. Toujours dans la saga des double dragons. J'ai pu rentrer le double dragon 4. Alors beaucoup vont me dire que c'est de la C'est des classiques, classiques arcade. Donc, je me suis dit, bon, allez, si je ne le commande pas dans ce lot-là à 25%, je ne le commanderai jamais et Vingegaard, il est en train de revenir, les gars. Roglic, il lâche. Vingegaard, il revient, les gars, là. Bon, on continue avec le Tian Ding. Ça, c'est euh, le, euh, le poteau Michael qui me l'a conseillé. Donc, on va en faire une découverte ensemble. Je ne connais pas, il m'a dit franchement je te le conseille, donc on va, on va essayer de, de tester ça. J'ai pris que de la Switch, Les gars, je préfère vous annoncer ça dès maintenant. Alors ici j'ai pris le Scarlet Symphony. Franchement ça fait plaisir, Scarlet Symphony. Euh, pareil euh, plusieurs potes m'ont conseillé donc euh, je me suis dit allez on va se lancer le Kumajou Remilia. Donc je me dis allez on y va, c'est le moment ou jamais. Vous allez voir que l'ensemble, on ramène au prix, je trouve ça euh, pas mal. Ensuite, Gunvolt 3, j'ai le 2. Donc là, ça regroupe euh, ça regroupe euh, les 4 levels, je crois. Ouais. Donc euh, content de le rentrer également. Je vous montre aussi le verso. Et parti dans la descente avec 11 secondes d'avance sur Vingegaard, la 18 sur Oglich. 30 sur paul Blaster Master 3, les gars. Très content aussi de le rentrer. Franchement, euh, pff, Sunsoft c'est toujours des, des, des... Enfin, plutôt content. Là, la cover elle est juste sublime. Surtout cette version Switch. Elle en a on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jeux. On est en jeu et on est, on est loin d'avoir fini, les gars. et oui. Là, je me suis pris pour la collection, parce que je voulais garder euh, un sous Blister, le Castlevania Collection, qui regroupe euh, 9 opus, je ne sais plus lesquels, bon, bah, les versions NES, SNES et d'autres. J'ai un Game Boy aussi, ou au moins que j'ai une bêtise, ouais, le, le, le Kid Dracula certainement, les ouais, version Game Boy également. Donc le, il y en a une que je vais ouvrir, une que je vais laisser sous Blister pour la collecte. Franchement, euh, au prix que je l'ai payé, j'ai dû le payer. Bah, déjà, avant remise, c'était 34 euros quatre balles avant en remise. Ensuite, les amis, et franchement, là, j'en suis content. Le Rendering Ranger. Donc, là, c'est une édition SNES, cartouche US. Il se vendait à des prix stratosphériques. J'en parle avec Michael, je dis, mais en fait, on aurait dû le prendre. Regarde, on avait hésité, etc. On avait un peu de regret euh, parce qu'on le voulait, mais bon, euh, c'était quand même un certain budget. Et par la suite, comme on a regretté, euh, inutile d'aller voir les revendeurs, c'était trop cher. Donc là, c'était le moment idéal pour se le procurer. J'en ferai certainement un unboxing et un test sur ma chaîne également dans cette édition collector. Ça, ça fait plaisir, les gars. Alors ça, c'est quoi Ça, c'est pas du LRG, mais je vais vous le présenter. Alors, ça doit être à l'intérieur, là. Ah J'ai pas de quoi ouvrir, c'est dommage. J'ai pas pris les ciseaux là, mais en gros, euh, si je dis pas de bêtises, Michael. Euh, en fait, il y en a un là. Il y en a un là qui n'est pas emballé. Il m'en a envoyé deux. Si je ne dis pas de bêtises. Il y en a emballé un et l'autre non. Ça, en fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est pour les écrans, les PVM. Donc ça va être utile pour les démagnétiser, les régler, etc. Euh, je ne sais pas trop comment ça fonctionne par contre. Il m'a dit qu'il m'expliquerait. Donc il en a envoyé un pour moi. Et je pense qu'il y en a un deuxième pour le poteau euh, le poteau François. Ouais, c'est ça, je pense. Mais je vais vous dire, ouais c'est ça, il y en a un deuxième. Un deuxième pour le poteau François qui va passer par ces images également. Et les gars, c'est pas fini, hein. C'est pas fini les poteaux. Regardez-moi, j'ai rentré le Shantay Collector. Alors lui, il a pris un peu. Il a subi un peu le voyage juste là. Vous voyez, c'est un tout petit peu enfoncé. Il a subi un tout petit peu. Bon, après, il reste propre. Il reste globalement propre, il y a... voilà, est... il n'est pas à 100% clean, mais il y a eu un tout petit enfoncement ici, c'est pas grave, c'est les risques du métier, les gars. Ce champ collector sur Switch, franchement ça fait plaisir. Et je pense que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Ouais les gars, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que je ne pouvais pas tout prendre. Je ne pouvais pas tout prendre, il y avait tellement de choses que... Mais lui je le voulais vraiment. J'avais la boule ventre de, de l'avoir loupé auparavant. Et au moment où ils ont remis, c'est le premier réflexe et j'ai regardé est ce qu'il était. Il n'était plus en édition simple. Je dis, Mickaël, mince, il n'est plus en simple. Il n'est que en collector. Je dis, allez, tant pis. Je le craque, je craque. Je le prends en édition collector. Il s'agit du Radiant Silver Gun. Dans cette édition, ce pas collector, c'est big collector. Il y avait trois formats le petit format, le format simple, le format intermédiaire et le big format. Donc pareil, j'en ferai certainement un unboxing sur ma chaîne parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce contenu. Radiant Silver sur Switch, très content de le rentrer, les amis. Très, très content de pouvoir rentrer. C'est un colis allergé bien garni, les amis. Hein. On récapitule 3 collecteurs, le Radiant Silver le Shantae et le Rendering Ranger. 3 collecteurs plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jeux simples, plus un semi-collecteur avec le Curse of the Moon 2. Donc on arrive à euh, 16, euh, si je dis pas de bêtises, 12, 13, 14, 15, pardon. Attendez, j'ai compté 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. 15 jeux. Allez, on va arrondir à 600 balles, parce que je crois que c'était autour de 600, peut-être 500 et quelques. 600 divisé par 15, les gars, ça fait combien Bah, c'est pas compliqué, si on prend 40 euros. 40 euros, on y est. On y est 40 euros le jeu. Ça veut dire que si je prends en compte que j'ai payé 40 euros ces jeux en édition simple, ce que tout le monde ferait si on les avait face à nous. Parce que là, c'est frais d'envoi inclus, ce que je vous dis. Taxe inclus, hein. tout inclus. Tout inclus. Donc ça veut dire c'est comme si j'ai payé 40 euros ces éditions simples, ce qui est le prix, on va dire. Et 40 balles les éditions collector. Et là, ça change la donne, les gars. Je pense qu'on l'aura tous fait. En tout cas, euh, ceux qui étaient attirés par ces jeux comme moi, donc très content, très content de ces rentrées élargé. Alors évidemment, j'avais fait d'autres achats élargés euh, par le passé, des précommandes. Trop tard, je l'aurais commandé dans ce lot-là, mais c'était déjà effectué que je vais recevoir euh, peut-être en juillet, août, septembre, octobre, etc. Mais en tout cas, ça c'est, je pense, la plus grosse commande élargée que j'ai pu faire, la plus intéressante également. J'ai trouvé le compromis entre la satisfaction personnelle. Où il a failli chuter la Pogacar là. J'ai eu la goutte de soir là pendant que euh, j'ai mon 2m14 juste derrière là. Il me yambe. Donc là, ce qui, va passer, ce qui va se passer, les poteaux. je ne vais pas ranger les jeux tout de suite. Hein, je, vais, je, vais, je, vais mater, euh, je vais mater la, le, la fin du, de, de, de l'étape là. Et puis euh, ensuite, je vais faire un petit montage vidéo pour vous transmettre ça hein, au calme. Bon, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Au moment que vous regardez ces images, vous avez déjà. Euh, Contempler, donc n'oubliez pas le pouce, ça prend pas beaucoup de temps, ça va vite et c'est toujours plus intéressant. Et puis, si c'est pas déjà fait de vous abonner, hein. il y en a beaucoup qui me regardent qui ne s'abonnent pas parce qu'ils ont peut-être pas de compte Google. Moi, je vous invite à créer un compte Google, ça permet de faire pas mal de choses en fait. Gmail, voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.